Hey les gars, ça va, c'est Énergie, on se retrouve pour l'un des épisodes les plus fous de Déforestation. Il y a, en fait, la map a entièrement changé, que dire, vraiment énormément de choses et énormément d'achats. Je vais perdre tout mon pognon, je vous le dis direct. Cet épisode incroyable, vraiment, genre, vraiment, ça va être la dinguerie, j'ai trop hâte. Bon, on commence, nous sommes en compagnie de El Papito. Salut. Nous sommes également en compagnie, je traverse un camion plein de copeaux parce que ça a charbonné durant l'off, de Valo. Salut. De Black Mick. Bonsoir à toi, bonsoir à tous. De Mister Wallon. Salut. Et de Marion. Salut. Et enfin, de notre cher ancien. Ah, bonjour tout le monde. Et vous ne vous rendez pas encore compte à ce moment de l'épisode à quel point l'ancien est génial. Bilan du off, on va emmener tout ce grand chargement. Et là vous vous dites, mais pourquoi t'emmènes un camion qui est vide? Eh bien parce que vous voyez tous ces camions qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait rire aussi des fois, mais surtout pleurer. Je parle du Mercedes et des deux rouges là, ils vont dégager, hein. On arrête tout ça, on en a plein le cul, et on va les remplacer par des valeurs sûres. J'ai testé tous les camions du jeu pour au final revenir à celui-là, voilà. Bon, salut. Je vais emmener du coup le train, le train sur pneu. Merde, on l'allume, est-ce qu'il marche? Voilà, j'espère que vous me suivez bien. Ah, attention, parce que si je freine là, ça va être taxi, hein. Ça va être alerte générale, tout le monde va bouffer ma remorque. Ouais, d'accord, parce que... Alors, hein? C'est pas pique-nique ici. Merde, quoi. Bon, et il s'est passé beaucoup de choses, hein. Durant ce off, je vous montrerai dans quelques instants. J'ai hâte de vous montrer. On va se faire un petit peu de vue intérieure. Mais en tout cas, merci pour tous vos retours, comme d'habitude. Merci pour tous les pouces bleus sur le dernier épisode, vous êtes toujours au taquet. Il ne reste plus que 5 épisodes, ou 4... 5 épisodes, je crois, après cet épisode. Si je dis pas 4. 4 ? Celui-là c'est le 5 normalement, t'as dit. Ah ouais ? Je sais plus. Eh mais attends. Mais attends, mais y'a quoi à gauche là ? Oh bon, j'en ai marre de vivre dans cette caravane, Wall, là, c'est bon là. Bon, je vais trouver une solution là. Ouais, je reviens. Ouais, je reviens dans une heure, allez. Bah ok, d'accord. Mais reviens vite hein, parce que le souper va être fait. Oh Marlon, t'es où? Ouais, je suis là! Oh putain, mais qu'est-ce que tu fous dehors cette heure-ci là? Non, parce que je creusais pour enterrer Axel. La piscine. Ah. La piscine. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est que tu veux faire une piscine? Ouais, petite piscine. Et puis vu que j'avais un client. Enfin, j'avais le projet de faire ça, bah je. Ouais, je creuse. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu voulais pas enterrer mon concurrent, c'est ça, non? Non, hein, de quoi? Non, non. Non, pas du tout, non. Ça, non, pas. Non, je vois pas. Ah, je venais de faire une proposition là. Ouais, c'est quoi? Ça te dit un train?
Bah déjà, éteins ta lampe torche, je vois rien là. C'est... Désolé, mais merci. Ouais, bah alors, ça serait pour quoi alors du coup un train? Tu veux faire un petit train touristique? Bah non, un train pour porter du bois. Ah, c'est pas con. J'aime bien. Ah, il est pas con. Ouais, j'aime bien. Ah bah ouais, attends. Ouais, bah ça peut être pas mal. Mais par contre, faudrait poser des rails partout sur la map. Bah t'inquiète, ça se fait ça. Faut ah juste ouais. que tu mettes quoi, les un bon moment, hein, parce que bon, c'est pas simple, mais. Ah ouais, embaucher des gars après, hein, si tu veux. Ok, alors ce qui serait bien aussi que tu me fasses, ce serait un point. J'aimerais créer une petite coopérative aussi, à un endroit. Ouais, ça serait pas mal. Ouais, c'est faisable ça, ouais. Ça serait vraiment pas mal. Un peu plus de temps par contre. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que je te propose un budget immense de 500 euros pour ça. 500 euros? Ouais. Tu te fous de ma gueule là? Bon, allez, ok. Ouais, 10 000. Bien, 10 000 bah, 10 000, c'est bien. Et tu sais combien ça coûte une locomotive d'un train? Ouais, 1000 euros. Ouais, c'est ça, tu peux rajouter des zéros. Allez, 100 000. 100 000, tu me fais tout. 100 000, c'est quand même un gros budget. Ah, ça va, ouais, ça va. Ok, on part sur 100 000. Je te laisse faire, je te laisse tout gérer. 100 000, ça marche. Y a pas de soucis, je signe. Tu viendras me faire signer. Si mieux, je viendrai faire ta piscine après. Ouais, non, mais je dois m'en occuper parce que j'ai. Enfin, ouais, t'inquiète. Ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Bah, je te laisse. Voilà, on se revoit, hein. Comment ça me fait chier, putain. Bon, allez, on reprend. Notre client, il est où? Sous la bâche. Re! Alors, comme vous l'avez vu, oui, il y a un train. Attends, on est où, là? On est dans le futur. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout, comme vous l'avez vu dans le roleplay. Enfin, j'imagine, je l'ai pas encore tourné, mais... Bah, j'imagine. Ça se trouve, il y aura juste marqué pas de roleplay, en fait, on n'a pas le temps. Non, je ferais pas ça, quand même. Je sais pas. On sait jamais. Alors, par contre, c'est cool, hein. Ah, vraiment, c'est cool, hein. Qui c'est qui est dans ce train? C'est pas possible. Putain, c'était sûr qu'il allait faire ça. Il s'est posé pile devant l'entrée. Et du coup, il y a un point de vente pour le train, c'est bien ça, monsieur l'ancien? C'est très bien, c'est ça, c'est ça. Ah là, il y en a là, trois là. Même. Oh, pff, excusez-nous. Ah bah oui, parce qu'il y a trois, enfin, il y a même quatre remorques. Il y a cinq remorques. Oh, non, mais à bois, il y en a quatre. Ah, quatre, ouais. Oh merde, pourquoi je fais à ce point de vente là, moi? Bah, tu vas jusqu'au bout de ta connerie, hein, Marlon. Non, mais attendez, je vais. Non, mais on a un nouveau point de vente, je vais là, moi. Ouais, non, mais c'est génial, hein. c'est vraiment super, super. Alors, mais... Et personne, hein, y a pas un pour me non. dire. Non, attends, Marlon. Des problèmes techniques. C'est voilà. tellement drôle. Eh, c'est toi. Rouler doucement sur les rails parce que attends, vu qu'il y a Marlon, pas de terraforming. Oui, il y aura du terraforming de fait dans quelques instants d'ailleurs dans cet épisode. Et on va aller d'ailleurs terraformer la plateforme de vente. Alors juste avant, je vais rester avec mes chers collègues pendant qu'ils déposent le bois dans les bateaux. Par contre, il en manque deux. Ouais, là. Mais y a plus de place dans le bateau. Monsieur, c'est dans la tête. Tu comprends pas, depuis tout à l'heure, on est en train de s'engueuler que c'est pas pour rien. Bah j'essaye de commenter par-dessus, mais Attends, ils sont où? Mais vous êtes où? Mais vous êtes vraiment nuls. Elle a retourné, je suis en train d'essayer de retourner son camion, et ça marche pas. Mais ferme ta gueule, mon camion, il est là, vas-y, allez, démerde-toi, allez, va chier. Le camion de merde ne va pas me manquer, non mais vraiment, Oh j'ai hâte de le vendre. Alors il est temps de livrer ce camion, ça fait 20 minutes hein, 20 minutes, il est tombé 4 fois depuis, camion de mort, vraiment, mais ça va dégager, je vais être heureux. Je vais être un homme heureux. Alors là, je suis obligé de me viander dedans. Oh, c'est incroyable. Tu veux que je vende en même Ouais, temps. Vous pouvez aller. Alors, aller dans ma ferme et ensuite aller sur les triggers de vente et ensuite je vais vous dire quand vendre. Parce que Vas-y, mon blé. Ça marche. Si j'ai beaucoup d'investissements à faire là. Alors. Moi, j'y suis. Black Mitch. Je suis dans ta ferme. Ouais, c'est bon. Je suis ok, prêt. Bah allez-y. Allez. Maintenant qu'on a plus qu'un million cinq, il est temps de faire rentrer de l'argent. Et franchement, de toute façon, même si je devais payer pour m'en débarrasser, sans souci, c'est cette merde. Vraiment, y a pas un camion. Je veux que tu me files 50 000 balles. D'accord, finalement, non. Alors, je les éteins. Ah non, mais j'en peux plus là. J'étais en dépression il y a 10 minutes. Hein. J'en pouvais plus. Oh, 120 000, il est repris. Mais je l'ai payé combien? C'est génial. Cher, j'imagine. 120 000 balles, 54 000 balles et 130 000 balles. Mais ça vaut une fortune en fait. Quoi? On les a embellis, c'est pour ça. Mais ouais. Mais ça vaut cher en plus, alors. En comptant la thune des amendes que tu étais pris en plus. Ouais, c'était stonk cette affaire. Et maintenant, pour les remplacer, on va acheter 3 camions. Un. C'est l'heure de l'instant terraforming, je vous montre, alors d'ailleurs tous les rails il va falloir les terraformer, ça je ferai ça un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais avant, Will a également construit une coopérative, mais bon c'est pour acheter des copeaux, donc... Mais oui, il y a du grain là, mine de rien. Eh, il y a du grain, il y a du blé pour faire de la farine, c'est parfait. Alors là par contre, ça va me coûter cher en terraforming. Alors,
Comment faire? On va voir combien ça va me coûter, mais je pense que c'est un petit billet quand même. J'espère que je vais pouvoir terraformer là où il y a des 3D. Ouais, peut-être pas. Ah, oui, si, ouais, attends, ouais. L'ancien, il rigole pas. Eh, l'ancien, il est pas là pour enfiler. Alors, par contre... Will, ça va? Coucou. Quoi? Dis-moi qu'il y a une sortie au fond. Oui, il y a une sortie. Oui, non, mais le point de vente, il est où? Oh, j'ai eu peur avec le grillage. Le point de vente, il est où, Willouche? Bah, il est dessous, hein. Ah ouais, faut creuser encore? Faut que tu creuses. Ah oui! Ah, il est là. c'est une pochette surprise. Non mais c'est de l'archéologie là, c'est en fait. C'est un Kinder, il faut que tu... Ah j'ai eu peur, je vois pas de truc, je fais mais qu'est-ce qu'il nous a fait l'ancien? Il avait pas mis ses lunettes l'ancien. Mais si, carrément, oh génial. Et tu creuses encore et normalement t'as une sortie en face. C'est génial. Bah, elle est là la sortie mais après il faut remonter. Génial. Et j'ai... Ah non, en vrai ça coûte pas si cher que ça en terraforming. Vas-y, bah elle fait du plat comme ça jusqu'au port. Ça va être... Hey, roleplay. Alors voilà, j'ai terminé le terraforming, dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que c'est pas trop mal, je trouve ça de la gueule. C'est... Bah de toute façon, enfin, j'ai aucun mérite, hein. je trouve que c'est pas trop mal, mais j'ai aucun mérite. Hein. Moi j'ai mis deux routes, j'ai terraformé. Mais le gros du travail, faut pas oublier que c'est Will, hein, carrément. Hein. Donc GG Will, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est important. C'est important. Bon, on passe directement au prochain souci, c'est qu'en fait ils ont pas chômé, hein. Oh là là, Valo il a tout remis en tas. Terminé quoi, rangé. Voilà, y a plus rien. Autant te dire. Ah ouais, mais y'a vraiment plus rien en fait là. Ils ont chargé les 4 camions en 2 secondes. Hein. Là, j'ai eu le temps de faire le terraforming, ça m'a pris 10 minutes. Terminé, tout est rangé, propre, carré. Incroyable. Et également, bah, je pense qu'on fera même pas un autre chargement avec ce qui reste. Si, je pense. Non, parce qu'on va faire les copeaux avec. Si on peut. Ah, en plus, ouais, s'il y a les copeaux. Donc ça reprend là aussi à broyer. Du coup, ce qu'on peut faire. Alors, est-ce qu'on n'essayerait pas une rampe de l'ancien là? Voir si le bois tombe dans le train. Alors, on va tester tout ça, le train est paré, c'est le seul défaut de ce camion, c'est les ponts, c'est vraiment pas ses amis. Alors, c'est pas encore terraformé pour, donc déjà, tu rentres, t'es pas serein. Si tu fais un peu de, voilà, c'était un peu le vertige. Alors, faut bien se mettre au bord, je pense. Mais ça va jamais tomber dedans. T'as déjà essayé, Will? Bien sûr. Ah ouais, t'es le boss? Alors attendez, on va aller chacun sur une remorque. Oh, ça va être incroyable. On va vider en même temps. Ça va soit être un fiasco, soit être incroyable. J'ai trop hâte. Ça va passer avec les tracteurs. C'est génial. Les tracteurs. Oh putain. Tiens, quand même, ça tripe. Ouais, c'est vrai. Mais normalement, le côté droit, j'ai été réformé. Normalement. Tu conseilles dans quoi là? Allez, prenez chacun une remorque. Ok. Comment on se met à quelle distance? Au milieu. Collé. Vous êtes prêts? Alors attendez, ouais. Déplié. Déplier. Oh mais la remorque elle glisse toute seule, putain. Et appuyer sur L maintenant. C'est, ah ouais, ça va. C'est incroyable. J'étais mieux. Nial. Ouais, non c'est Wallon. Ah non. C'est moi peut-être. Il y en a qu'un qui est pas tombé dedans. Oui, il y en a deux. Donc faut coller hein, du coup maintenant, vous le savez. On a bien vu ce que ça a donné quand on collait pas. Ouais, non, mais c'est collé, hein. C'est la remorque de derrière qu'elle glisse. Elle glisse toute seule la remorque. Ah ouais. Chelou. Faudra faire un ticket. Ok, bah incroyable. Mais c'est génial, Will, t'es le boss. Mais c'est incroyable. Et je pense qu'on va encore en emmener. Ouais, on va encore emmener un chargement avant d'emmener le train. Reparti les amis, on décharge, c'est parti. C'est qui derrière moi, c'est l'ancien? C'est Black Mick. C'est celui, ah, celui oui. Qui allait au port alors qu'on lui dit d'aller au train. je me permets d'en... Et enfin, le perfect. Oh c'est chiant. Oh j'ai presque le faire perfect. Ah bien joué Wallon, ouais, pas une trace ouais. Hein, pas une trace. Pas une trace. Eh gros. Allez.
Pas une trace dans le Ben. Ah là, j'ai hâte de voir les lacs qu'on va avoir avec le train. Oh oui, oh oui, j'ai hâte. Et d'ailleurs, mais magnifique transition, Papito. Magnifique transition. J'en profite pour commencer le grand terraforming. Mais avant de commencer le grand terraforming, petite erreur de ma part, c'est Papito qui m'a induit en erreur, je dois l'avouer. Bon. Putain, mais sérieusement, bah, l'abattage va pouvoir reprendre là. Oui. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Ça, c'est incroyable. Il y en a un qui a pas perdu de temps déjà, je veux te dire, il a pas fallu le dire deux fois. Hein. Direct, zao. En plus, il est dans sa John Deere, là, autant de dire, il est heureux. Là, il est heureux. Oh, enfin. Il a retrouvé la John Deere. Bon, bah écoute, bon abattage. Hein. Ouais, je vais aller faire du terraforming. J'ai rapproché le broyeur aussi. Ok, ah oui, le broyeur, tu l'as mis où? Ah, ok, là-bas. Ok, ok, ok. On va pouvoir amener le camion et les bennes. Nickel. D'ailleurs, le camion Ben, il est pas plein encore, non? Oh non. Bah, il y en a que deux. Avec deux de plein, ok. Bah, faudra juste les emmener, les gars. Comme ça, vous pourrez peut-être direct derrière la batteuse emmener le bois dans le broyeur. C'est ce que je pensais, ouais. Mmh, ça peut être pas mal. Bah, alors attendez, je vous laisse avec une séquence terraforming, chers amis. Je vous montre juste la technique qui va être utilisée. Déjà, on trouve le rail. Des fois, il y a des endroits, c'est pas forcément évident. Parce qu'il est enseveli. Et là, oh merde. Ça fait franchement trois quarts d'heure qu'on y est, genre sans rigoler. Alors vous voyez là, alors le rail déjà est partout bien. On va pouvoir le visiter d'ailleurs avec le train. Juste seul souci, il manque les petites finitions, les petits coups d'herbe de chaque côté. Mais ça, voilà, c'est pas un souci. Vous voyez, c'est juste que je dois passer ici avec l'herbe et rectifier, puis en mettre un petit peu partout pour que ça soit plus joli. Mais ça sera fait bien évidemment prochainement. Déjà on va tester ce train. Ah merde, en plus c'est dans l'autre sens qu'il faut aller. Ok, bah, c'est pas gênant. Hop. Alors. On démarre le train. Alors déjà, tout est sanglé. On peut sangler avec le train. Tu peux sangler, oui, bien sûr. T'as sanglé du coup. Oui. Ah nickel. C'est parti pour le lag. Alors le train. Bon, le bois ne suit pas, mais le bois il suit pas du tout. Mais vous inquiétez pas, c'est une illusion. Le serveur qui est en PLS. Bah ça fait déjà un bout de temps, hein. Je vais pas. Ouais, c'est pour ça. Hein, ça vient pas forcément du transport du train. Donc regardez là, on a terraformé, bon pareil ça sera ajusté pour que déjà les routes puissent passer. Mais c'est stylé, petit tour de la map, ça permet de faire un petit tour. Là on a l'impression que ça va secouer tellement le terraforming est un peu bosselé. Ah là c'est direct plus stylé. Et là on passe dans... Ah ouais, là par contre oui, c'est un peu trop c'est un peu trop la bosse. C'est pour ralentir un peu. Ah ouais. Bah non mais sinon on doit passer sur le rail. Bois, heureusement qu'il est sanglé le bois. Hein. Ah non mais Wall, entre passer sur le rail et 1m50 de dénivelé... Ah bah ouais mais ça. Je vais te montrer, va à l'entrée du port, tu vas voir. Là c'est bien fait. Je l'ai vu mais c'est du plat à l'entrée du port. Ouais mais tu vois l'idée quoi. Ah mais oui je l'ai vu, tu vois. Même si on tape un peu le truc, c'est pas gênant. Ah là là, la petite montée que Black Mick a faite. Putain c'est stylé, on fait le petit tour là, le petit tour de map, ça permet de voir également tous les bâtiments qui ont été placés depuis le début de la série. Ça en fait mine de rien. Bon j'espère que j'aurai du bois arriver là-bas, hein, parce que là pour le moment, pas grand chose. Hein. Petite vue intérieure derrière du train, c'est le train de base de Felsbrunn. Ouais. Ah non, c'est celui de Ravenport celui-là. Ah c'est je sais plus, j'ai mis la locomotive. Ouais, c'est Ravenport, je crois. Mais ça va bien avec la map du coup, parce que c'est map américaine. Là aussi, on a adapté, on a un autre point de chargement comme je vous avais montré l'autre jour. Très, très, très stylé. Et là, ça, regardez, on est dans le salle. Alors, falloir enlever quelques souches. En fait, c'est pas un souci des dessoucheurs. Hein. C'est juste que bah, des fois, les souches sont pas enlevées totalement parce que les arbres sont bien profonds dans le sol. Et donc, quand on terraforme un peu. Bah on se rend compte qu'il en reste. Mais ça sera juste à enlever avec le bulldo, ça prendra quelques instants. Hop, on va passer sur le pont, ça c'est vraiment stylé aussi. Hein. Tous les ponts, ça c'est incroyable. Ça fait vraiment pont ferroviaire en fait. Bon là le rail vole un peu, mais c'est bon. Le train est pas lourd. On a l'impression que le pont il flotte, mais il y a bien des pierres en ciment. Les reflets ils sont fous quand même. T'as dit quoi? Comment ça freinait déjà? Ah ouais? Ah oui j'avoue. Ah oui. Ça y est, j'ai refait la pente comme il faut. Ah, BG. Attends, j'ai freiné tôt quand même là. Oh, quoique. Ok. Ah, attendez. Bon, là, on voit pas le bois, mais je pense qu'on le verra pas. Essayez de vendre. Si vous êtes dans ma ferme. Attends. Ok, ça marche. C'est trop stylé. Bah ouais, c'est stylé. Et le troisième, il vend pas, par contre. Ou tout a été vendu par deux.
Recule, du coup. Non, moi, je suis dessus. Je sais pas si ça a été vendu. Il est peinard dans sa ferme. Non, c'est bon. Alors, attends, est-ce qu'ils sont tous vendus? Je descends que je ressangle. Ah ouais, mais bon, ouais, c'est chiant, faut faire bon chèque. Ok, ouais, c'est bon. Nickel, putain, trop bien. Alors, ça a rapporté combien? J'ai pas vu 500 000, je crois. Parce qu'on était à 466. Ok, on est à 600 000 alors. Bah, je divise par 3 alors. Alors, il est temps de lire les commentaires des abonnés. On commence avec un commentaire. Non, mais c'est pas n'importe quel commentaire, c'est celui de Balan. C'est quand même pas n'importe quel. Tiens, sélectionné le commentaire de Balan. Oui, qui nous dit: je suis pas un très bon déforesteur. Bon, déjà, bon. Oui, ça commence mal. Ça commence mal, mais c'est vrai. C'est pas français, mais c'est vrai. C'est honnête. Bravo. Mais je suis un excellent assistant caméraman. C'est vrai qu'il y a deux accélérés dans l'épisode dernier qui ont été tournés par l'excellent Alan. C'est un peu le Steven Spielberg du bois, on peut le dire. n'ayons pas peur des mots. Peut-être le Michael Bay plutôt. Mais bravo Balan. Bon, c'est un commentaire un peu à la con, mais ça fait toujours plaisir. On passe ensuite au commentaire de. C'est la danse des canards. Non mais attends là, wow, il nous a fait quoi là? Il nous a... il faut lui mettre une cuillère dans la bouche là, il est pas bien. Vous avez pas besoin d'essence? Non, merci. Bon. Mais bon, pas soif. On passe ensuite au commentaire de Papy Tractor Gaming, le fameux Papy Tractor Gaming, qui nous dit, sinon si c'est les Dolly des Ben West End, ils ont une fonction auto-bloquant qui permet de faire plus facilement des trains. Alors je connais pas ces Dolly, je vous les affiche dès maintenant, et apparemment ceux-là permettent d'avoir une fonction qui les bloque automatiquement. C'est vrai que ça pourrait être pratique. Bon, maintenant qu'on a un point de vente qui a été très bien fait, je pense que c'est plus utile. Mais dans le futur, si on refait une série sur le thème du bois, ce qui risque d'arriver, spoiler alert, hein, ça peut être pas mal. Donc merci pour le conseil, mon cher Papy Tractor Gaming. Alors attendez, j'essaye juste de déposer le bois. Va-t-il y arriver? Waouh! Vous êtes fiers de moi, les gens derrière? Non? Pas trop? Non. D'accord, merci. J'aime bien. Non, mais je me sens soutenu, c'est ça qui est bien, c'est que je suis pas seul. On passe ensuite aux commentaires de Nanou3331 qui me dit: super vidéo, continue comme ça, merci beaucoup. Tu devrais faire un best-of de la série. Et alors, attends, t'inquiète pas, ça va arriver le best-of de la série. Ça arrivera à la fin. Alors, je ferai pas 3 épisodes comme Partir d'un. J'essaierai de condenser tout ça. Et je vous ferai également un avant-après pour vous montrer à quel point la map, déjà, elle est à poil. Donc il y aura un best-of, ne t'inquiète pas. Il me dit: les remorques du train c'est super, mais tu devrais demander à Will ou des personnes qui s'y connaissent en modding de mettre des gyrophares sur le camion, ça ferait plus réaliste. Ouais, franchement, on va pas sur des routes où il y a du passage, donc ça servirait à rien à nous. Mais bon, l'idée est pas mauvaise, mais on va pas embêter Will pour juste mettre un gyrophare, on s'en fout. Je pense que c'est pas important. What the fuck, gros? Non mais c'est incroyable, hein. Le bois il est... Là, c'est faut pas qu'ils les prennent trop loin, Marlon. Ah ouais, c'est pour ça, quand ils sont trop éloignés... Oui. Merde. Quand ils sont trop éloignés comme ça, ça fait bugger. Oh putain. Bon, nous arrivons à la fin de l'épisode, il est temps de payer les gens. Et d'ailleurs, il est temps aussi de payer une prestation. Parce que bon, il y a quand même eu du travail de fait qui a été assez intéressant. Donc, déjà, on va payer les salaires. Le Micmac. Hop, il prend ses 8K, égale 16K, et bon, le Willouche qui a quand même fait des travaux de manière assez conséquente, ne nous mentons pas. Merde, comment on fait? Voilà, comme ça, voilà. Bon, merci bien, chers amis, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. À bientôt. Set the bite,